Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il est 9h44, je vais mettre page blanche. Au départ, je voulais filmer aujourd'hui, mais je suis crevée parce que j'ai joué très tard parce que j'ai un nouveau jeu. Encore. Je vous montrerai dans la semaine, je vous montre pas tout de suite. Enfin, je vous montre pas là maintenant, mais... Je vous montrerai dans la semaine. C'est un jeu Disney. C'est un peu comme comme My Time et Portia ou Sandrock ou Animal Crossing et tout ça, mais version Disney. Maman. Donc je m'éclate avec ça. Le chien vient de se coucher, il vient de manger. Je suis complètement gelée. Je ne sais pas combien ce qu'il fait, mais il fait pas très 12 degrés. Boire, ça n'existe pas, ça, 12 degrés. Donc je vais vous raconter mon petit week-end et ensuite je vous montrerai ma petite commande des e-shop que j'ai reçue samedi. Bon, il n'y a pas grand chose. Alors, jeudi, puisque je vous ai laissé jeudi, donc jeudi soir, j'avais rendez-vous chez le rhumatologue et j'ai bien la fibromyalgie. Voilà. Au moins, je sais à peu près ce qui arrive. Donc c'est pas soignable. En gros, j'ai 18 points sur les 18 et j'ai des points supplémentaires pour une fois que je gagne quelque chose. En fait, il y a des douleurs qui ne s'est pas expliqué quand il me touche. Du coup, je dois faire une scintigraphie en écoutant et une prise de sang très 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 poussée pour voir un peu. Je ne sais pas ce qui lui manquait. Alors, il m'a aussi dit que dans ma prise de sang, ils avaient dû fouiller pour trouver un petit peu de vitamine D, puisque le minimum qu'il faut de vitamine D, c'est 30 mg, donc par litre de sang, et j'en ai 5. Voilà. Donc, je dois faire une cure de vitamine. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à Chérie qui pense à aller me chercher. Donc, c'est du D-cure, hein, c'est ce qui est le plus connu. Sauf que je dois prendre un traitement spécial et à vie. Donc normalement c'est une gélule, enfin une capsule tous les, c'est des flapules en fait, tous les 15 jours, donc chose que je devrais faire à vie après, sauf que là je dois commencer avec une tous les jours pendant 3 jours, une par semaine pendant un mois et ensuite j'attaque par 15 jours. Il m'a dit de surtout jamais arrêter parce que si j'allais arrêter, en fait j'ai un gros problème avec ma vitamine D, si je l'arrêtais ça allait rechuter direct. Et il m'a dit c'est pas bon ben, pour tout ce qui est arthrose, moelle osseuse, pour les os, hein, puisque ça permet de fixer le calcium sur les os, et aussi pour les nerfs. Donc on verra si ça m'aide. Et je dois également prendre de l'acide folique. Alors ça je sais pas à quoi ça sert. C'est ça ou alors peut-être qu'il m'a dit pour la moelle osseuse et les nerfs, je sais plus, mais je dois prendre de l'acide folique aussi parce que j'ai très peu d'acide folique. Et du coup, avec la scintigraphie, on pourra voir un peu où il y a des problèmes, dont l'arthrose par exemple, voir si ça a trop évolué ou des choses comme ça, bien que ce soit des choses qu'on ne sait pas soigner. Maintenant, ce que j'ai oublié de lui dire, c'est pour la sclérose en plaques, vu qu'il y a des cas dans ma famille. Enfin, ma tante est décédée de la sclérose en plaques et du cancer du sein. Donc, ça, j'ai oublié de lui dire. Parce que je pense que c'était très important et j'ai totalement oublié de lui dire. Donc je vous dirai le prochain rendez-vous. Les titis, ça bouge. Donc là, une fois que j'aurai fait ma prise de sang, ma scintigraphie, je dois reprendre rendez-vous chez mon médecin généraliste pour faire un petit check-up. Et chez le rhumatologue pour, pareil, voir un peu ce qu'on peut démêler de la fibromyalgie et d'autres soucis qu'il pourrait y avoir. Maintenant, comme j'ai eu un accident de voiture assez grave il y a quelques années, les cervicales ont été touchées et je sais que ça peut aussi pas mal détraquer de choses dans le corps. Donc voilà. Mais je viens de rentrer dans le monde des fibromyalgiques. Alors en soi, c'est juste des douleurs, hein, et de la fatigue chronique. Donc ça va absolument rien changer à ce qui se passe chez moi depuis plusieurs mois maintenant. Pour moi, la fibromyalgie, c'est tout simplement la maladie physique de la dépression. Voilà, c'est ce qui suit la maladie mentale. Les grands dépressifs, souvent, attrapent la fibromyalgie parce que le corps est tellement, enfin, le cerveau est tellement détraqué que du coup, ça cause des douleurs. Je pense que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est lié à la dépression, de toute façon, ça, c'est sûr. Mais voilà. Donc,
Les fibromyalgiques, parce que je sais qu'il y en a un paquet. Courage. Alors, le. Le soir, j'ai fait ma commande Colourpop. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Avec la collection Harry Potter. Donc, j'ai juste pris la palette, un rouge à lèvres et un highlighter. Vous l'avez dit, c'était vraiment celui que je voulais. J'attends de la recevoir pour vous faire une vidéo sur la palette. Hein, voilà. Le rouge à lèvres et l'highlighter aussi. Hein, mais la dernière fois que j'ai commandé, ça a pris un mois quand même. Donc, on n'est pas pressé. Le vendredi, donc le matin, j'avais pas de courant, donc sur la journée, il me faut la journée, mais j'ai fait mon ménage, chose qui ne se voit absolument plus depuis samedi, hein, voilà. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé et tout, c'est de nouveau un bordel sans nom. Chérie a fait son linge, les garçons sont rentrés, ils ont étalé leur linge, et le chien est rentré avec les pattes dégueulasses, il m'a redégueulassé toute la maison. Donc en clair, ça fait depuis vendredi que j'ai absolument mal partout parce que j'ai fait le ménage à fond. Tout ça pour rien. Voilà, on est content. Et j'en ai profité aussi pour faire la cage des titis à fond. Là, il faut que je la refasse aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça. Il faut absolument que je fasse la cage des chichous, mais ça, je ne sais pas la faire seule. Donc je vais attendre que Chéri rentre du travail. Ensuite, j'ai fait de la couture et le soir, j'ai fait ma commande Bougie Shop que je vais vous montrer juste après. Le samedi, du coup, on a été chez Manon pour fêter son anniversaire. Voilà, on a encore passé un super moment. Quand on est ensemble, tout se passe toujours bien. On aime être ensemble, ça nous fait du bien. Et on passe toujours des super bons moments. On s'entend bien tous les six avec nos chéris et tout. Donc, c'est vraiment génial parce qu'on est vraiment. On est déjà de base un bon trio. Mais on est vraiment un bon groupe quand on se réunit et ça fait vraiment du bien. Donc là, prochaine fois qu'on se voit, c'est chez Amy pour notre pré-réveillon de Noël le 10 décembre. Donc on va devoir attendre 3 mois pour se revoir. C'est extrêmement long, mais on n'a pas trop le choix vu qu'on habite quand même pas tout près les unes des autres. Et le soir, je ne sais pas comment je suis tombée sur ce truc-là Disney, mais. Je crois que j'ai vu une vidéo défiler dans mon fil d'actualité. Donc j'ai été voir et en fait il est en Early Access, donc sur Steam. Je l'ai payé 30 euros. Après vous avez plusieurs versions. Hein. Vous avez la Premium, la Gold et je sais plus quoi. Ça va jusqu'à 70 euros, je crois, ou 80 euros. Moi j'ai pris la première à 30 euros et ça me convient très bien. Donc ça va être limité jusqu'à ce que l'accès anticipé soit terminé, que le jeu soit peaufiné, comme Sandrock en fait, mais Sandrock, je suis arrivé à la fin avant la sortie du jeu, à la fin des quêtes. Bon, ils ont certainement dû en remettre hein, depuis. Donc je suis sur le jeu. Voilà. Hier, j'ai passé ma journée dessus. Il y a ma belle-sœur et mon beau-frère qui sont venus entre-temps. Ils ont amené une cigarette électronique à Georges. Son parrain lui a payé une cigarette électronique. Ils ne sont pas restés très longtemps, ils sont restés 1 heure. J'ai fait une petite sieste dans le canapé avant qu'ils arrivent parce que une fois que j'ai mangé, j'étais complètement KO. Et voilà. Donc du coup, j'ai joué toute la journée, chose que je vais probablement faire aujourd'hui, mais je vais coudre un peu aujourd'hui aussi parce que j'ai pas cousu du week-end et j'ai envie de coudre. Voilà. Donc, ah oui, j'ai récupéré quelques petites choses aussi des filles quand on a été. Samedi, je vous montrerai après. Donc, ma commande Bougie Shop. Alors, j'ai commandé un truc Révolution et tout reste, c'est les nouveautés essence. Voilà, les nouveautés. Oui, c'est des nouveautés. Donc, je me suis pris cela quand même pour avoir le trône de fer qui est en plastique. Mais voilà, je me suis pris ça. L'éponge, je m'en fous totalement. Hein. C'était juste pour avoir le petit trône pour mettre en déco parce que voilà, Game of Thrones oblige. Hein. Je pense qu'on les testera ben, certainement demain, que demain je vais filmer, aujourd'hui pas, mais demain oui. Donc, je pense qu'on testera ça demain, il y a deux, trois petites choses à tester. Alors ce qui n'est pas nouveauté essence, mais que j'ai pris quand même, parce que la Salinas part en lambeaux, et que je ne trouve plus la Bougie Shop, je ne trouve plus les miennes déjà, et je n'en trouve plus sur le site, donc j'ai pris la essence. La petite houppette essence, comme ça, voilà, elle était pas bien chère.
Après, elle a l'air pas mal, donc on testera ça. Bon, c'est vraiment le même style que la Boozy Shop. En un peu plus petite, donc c'est pas plus mal. Elle a un peu la même taille que la Linda Albert, qui reste ma préférée, hein, quoi qu'il arrive. Mais voilà. Ah oui, et j'ai fait les foulards pour Guimauve. Je vous mets des petites photos là, des foulards qu'il a. Et voilà. Il en a gardé un toute l'après-midi. C'était trop mignon. Donc j'ai pris les deux nouveaux sérums Hello Good Stuff, hein, parce que j'adore leur sérum. Voilà. Il y a celui à la grenade qui est pour le pore minimizing et celui au kiwi qui est skin clearing sérum avec du AHA et ici il y a de la niacinamide. Donc je vais tester le kiwi puisque je viens de terminer il y a des travaux donc de toute façon je ne pouvais pas filmer le Milani. Oh, ça sent bon. Ah oui, j'ai autre chose à vous dire après. Donc bref, j'ai pris ça. J'ai pris le nouveau, la nouvelle base hydratante avec de l'acide hyaluronique et du concombre extract Hero Primer. Hydro Hero Primer. Voilà. Donc ça, on pourra la tester aussi parce que j'ai presque fini la W7. J'ai pris la nouvelle poudre Fix and Last 14h Matte Blurring et Waterproof en 9,5 g poudre libre. Voilà. J'aime beaucoup les produits teint essence. Alors, j'ai pris, je vais certainement le tester aujourd'hui, enfin commencer aujourd'hui, c'est le Glow Serum Lash and Grow, Grow Like a Boss. Ils ont sorti une nouvelle collection Like a Boss, qui était normalement les fossiles. Voilà, c'est un sérum pour les cils et les sourcils, si vous voulez. Moi, je vais mettre juste sur les cils parce que les sourcils. J'en mettrai certainement un peu quand même. Donc vous avez un côté liner et un côté goupillon. Pour liner, c'est pour les cils. Goupillon, c'est pour les sourcils. Moi, en principe, j'utilise les deux sur les cils. Je mets bien en racine avec le liner et je donne quand même un coup. Et en dessous aussi avec le goupillon. Il ne veut pas sourire. Donc voilà. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé moi de meilleur. Il a l'air assez aqueux. De meilleur que le Talica. Mais quand on voit le prix du Talica, ça fait bobo les fesses. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Et un petit côté, c'est un pinceau. Donc ça, je vais très certainement tester aujourd'hui. Et j'ai pris deux pour avoir les frais de port gratuits. J'en ai pris un parce que je voulais tester. J'ai pris le deuxième pour les frais de port gratuits. Le nouveau mascara Lash Like a Boss Instant Volume and Length, donc longueur et volume, Ultra Black. Voilà, donc j'ouvre pas, parce qu'après je ne saurais plus lequel des deux j'ai ouvert. Donc je testerai ça en vidéo classique, et puis je vous dirai dans laquelle. Mais je pense que demain on va tester la poudre, la houppette, l'éponge, la base. Je vois pas mal, hein. Et ah oui, je vais aller vous chercher ce que j'ai récupéré chez les filles parce que là aussi j'ai quelque chose à tester que j'ai récupéré d'Amy, enfin que j'ai racheté à Amy. Donc j'arrive. Voilà, déjà, Amy m'a pris le masque Papa Noël et le petit renne de Noël chez Action parce que moi je les avais pas. Donc je vais pouvoir les ranger et elle m'a mis deux petits paumes à lèvres, à la menthe et au jojoba. C'est ce que vous savez, je prends toujours en grande plaquette là que j'adore. Et c'est les deux que je préfère, je trouve qu'ils hydratent le mieux. Donc c'est tout bénéf. Et je vais racheter le blush Kylie qui est la Kitten Baby. Donc hier, enfin samedi, j'ai pas réussi à l'ouvrir, ça y est, j'ai réussi. Donc elle me disait qu'il était très clair et c'est vrai que il est très clair, mais comme moi je suis un peu plus pâle qu'elle, je pense que ça peut être pas mal. C'est un peu nude, comme ça, nude patch, patch, nude peach. Donc on testera aussi demain. Voilà, je pense qu'on a déjà de quoi faire un petit crash test nouveauté là. J'attends pas, parce que je pourrais attendre pour avoir avec la truc Colourpop, mais ça va prendre tellement de temps quoi. Donc voilà pour ça. Et alors, hier,
Hier, j'avais les titis sur les genoux dans leur petite poche. Et du coup, je m'amusais à ouvrir un peu la poche ventrale de Sky pour essayer de voir hein, si c'était un alien, une tumeur, un kyste ou un baby. Ben, c'est bien un baby, j'ai vu une petite patounette rose avec des griffes. Ça peut être encore un alien. Puisque la patounette, on ne sait pas trop si c'est Titi ou T-Rex, oui. Mais bon, voilà, du coup, on est fixé, elle est bien pleine. Donc j'ai dit ça aux filles ce matin et on parlait déjà des noms, hein, alors qu'on ne sait pas le sexe encore, on ne sait pas combien est-ce qu'il y en a. Parce qu'il y a quand même un côté qui est plus gros que l'autre. Mais il y a un côté qui est quand même un peu gros. Donc j'espère qu'il n'y en a pas trois. C'est très rare qu'ils aient trois petits, mais avec mon bol. Et ça serait possible. Donc voilà, je ne sais pas. On verra bien. Hein. De toute façon, d'ici 10-15 jours, ils devraient commencer à sortir de la poche. Parce qu'ils vont être trop à l'étroit, donc ils seront sur le dos de leur mère. Après, on verra un peu mieux. On essaiera de les sexer ensemble. Et voilà. Bon, première fille, Suzy. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième fille, Santa. Voilà. Premier garçon, Silver. Deuxième garçon, Snow. Voilà. Maintenant, en espérant qu'il n'y ait pas deux garçons. Parce que ça va me coûter trop cher. De toute façon, s'il y a deux mâles, j'en vends un pour payer la castration de l'autre. Hein, parce que, voilà. En espérant que ça soit. J'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'un. Hein, franchement, qu'il n'y ait qu'une femelle. Ça serait le kiff. Ou deux femelles. Mais avec le bol que j'ai, j'aurais certainement pas ce que je vais demander. On n'est pas comme à Noël. Déjà, Noël, j'ai pas ce que je veux. Alors... Bref. Bon, bah écoutez, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Bon, ça fait déjà 17 minutes de blabla pour commencer le vlog, c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Moi, je vais coudre un peu, enfin, je vais jouer encore un peu, puis après, je vais coudre. Je vais commencer à travailler mon tissu à carreaux là, que j'avais acheté chez Brocanton. Parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, je voulais aussi faire deux pièces avec le tissu papillon. Mais c'est plus vraiment la saison, donc je les mettrai pas. Alors, est-ce que je garderai pas pour l'année prochaine? Je sais pas. Franchement, je sais. Ça y est, j'ai un chat dans la gorge. Je parle de trop. Je vais boire un coup de café. Donc voilà. Pour mon petit week-end, cette semaine, on va pas faire grand-chose. Je vous montrerai le jeu, on va crash-tester les trucs là. Et puis c'est bon. Voilà. Je vais sortir le trône de fer qui est en plastique. Oh merde, évidemment, c'est bon. Je dis n'importe quoi. Par contre, les calendriers de l'Avent, cette année, c'est nul. Hein. C'est nul et c'est cher. Franchement, ils sont tous hyper chers. Donc là, moi, j'attends Glam Shop. Et si je trouve celui de chez Action, je pense que je vais quand même me le prendre. Parce qu'il a l'air pas mal. Bon, l'éponge a l'air quand même assez souple. Elle est rouge. Voilà. Et le trône de fer est en plastique. Voilà. Mais... J'ai trop de le faire. Je suis content. C'était juste vraiment pour ça hein, que j'ai acheté. Bon, normalement, le truc va de l'éponge va dedans. Mais on s'en fout. Moi, je voulais juste le trône. Voilà. Bon, allez, sur ce, ça va déjà faire 20 minutes que je vous blablate. Donc, je pense qu'on peut switcher toujours. De toute façon, j'attends rien au facteur. Et je vais rien foutre aujourd'hui. Donc, il va rien se passer d'intéressant. Pardon. Donc, ensuite, le jour. Alors, il est 10h13. Je vous prends rapido. On va pas faire le crash test aujourd'hui parce que je l'ai pas filmé aujourd'hui. Je suis encore une fois crevée. Je viens de passer la matinée sur le jeu, encore. Là, je vais acheter ma jupe parce que... Hier, j'ai commencé ma couture et j'en ai chié grave. Vraiment grave. J'ai fait que des conneries. J'ai dû découdre. J'ai passé plus de temps à découdre qu'à coudre. Donc là, j'aimerais bien la terminer. Donc là, je vais faire ça tranquille.
Et voilà, c'est tout. Ah, Colourpop a déjà envoyé ma commande. Alors ça, c'est incroyable. Alors vraiment incroyable, parce que la dernière fois que j'ai commandé, ça a mis 15 jours à partir de chez eux. Là, apparemment, ils l'ont déjà envoyé. Maintenant, je ne sais pas du tout combien de temps ça va mettre pour arriver. À peu près 15 jours, je pense. Au moins. Qu'est-ce qu'ils disent ici? En route pour le centre de distribution DHL. Donc, il n'est pas encore chez DHL. Voilà. Et bon, au moins, il va arriver plus tôt que ce que je ne pensais. Donc, ça, on pourra faire la vidéo. Enfin, je pourrais faire la vidéo plus tôt. Voilà. Sinon, ce matin, j'ai donné des blattes au Titi parce que ça fait 3-4 jours qu'ils n'ont pas de verre. Chéri a toujours pas été m'en chercher. Donc, je lui ai dit qu'il aille aujourd'hui, qu'il aille aussi chercher mes vitamines parce qu'il n'a toujours pas été chercher ma vitamine D et mon acide folique. Voilà. Sinon, il se passe rien de bien incroyable en ce moment. Je suis complètement explosée. Chéri a perdu son alliance hier. Si, ça, c'est incroyable. Je vais le défoncer, c'est la deuxième fois qu'il me la perd. Et bizarrement, il paume son alliance. Donc hier, on était lundi, hein, jour où il y a une nouvelle qui commence dans le bureau. Ça me plaît pas bien beaucoup, ça. Va falloir que je marque mon territoire, je vais lui faire pipi dessus. Oui, je dis des bêtises, je suis fatiguée. Faut que je nettoie la cage des titis, il faut que je lave mes pinceaux. Je voulais faire un gâteau aux poires parce qu'on a les poires qui sont bien, 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 bien mûres. Mais le four ne fonctionne plus. Encore. Chérie a essayé de le démonter et tout, mais là il est temps de le changer. Faut que j'aille ranger mon linge en haut et que je prépare tout pour filmer demain. Moi je vais filmer le réel que vous aurez marre. Oui, c'est ça, avec une palette à make-up, donc qui suit la vidéo, et la rotation de mercredi. Voilà. Ouais, je vais vous foutre la flemme, hein. Je suis explosé. J'ai été couché tard hier, j'ai regardé TF1, l'affaire Daval, là, le téléfilm sur l'affaire Daval. C'est une histoire incroyable. Bon, c'est une histoire assez, somme toute, assez basique, mais. Les parents de Alexia, ouais, Alexia sont vraiment des personnes incroyables, je trouve. Ça me. Comment? Ça me touche de voir des personnes aussi humaines, même vis-à-vis de celui qui a tué leur fille. Qu'elles le prennent dans les bras après et tout, qu'ils arrivent à pas lui en vouloir, entre guillemets, mais qu'ils éprouvent pas de haine pour lui. C'est un truc assez incroyable, je trouve. C'est vraiment des personnes comme on n'en fait plus beaucoup, et ça fait du bien à voir. Maintenant, c'est une histoire tragique. Voilà, c'est quand même un beau connard qui a bien manipulé les gens. Il peut faire son petit malheureux autant qu'il veut. Moi, je pense vraiment que c'est un manipulateur. Il suffit de voir comment ce qu'il parlait à ses beaux-parents et après à sa mère. Donc, voilà. Bon, bref, sur ce, on ne va pas épiloguer sur le sujet. Je crois que vous connaissez l'histoire par cœur. Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, je ne sais pas si je vous reprends tout à l'heure. J'attends rien de particulier. J'attends plus que mon colis Colourpop. Ah, mais j'ai un truc AliExpress aussi qui devrait arriver. Attendez, on va vérifier ça où ça en est, parce que il me semble qu'il est arrivé en Belgique, il appelle Lurette. Hein. Je vais directement sur le suivi universel là parce que j'ai faim aussi. Ouais, donc hier j'ai regardé ça assez tard en jouant, hein, bien évidemment. L'avantage c'est que comme c'est un PC portable, j'ai pu me mettre dans le canapé. Ouais, il est arrivé depuis le 4 septembre. En Belgique. Donc, il devrait arriver quand même, c'est 4. C'est des liners, des Stempel colorés. Donc, je sais pas où ça en est. Ouais, j'attends plus que ça et Colourpop. Ouais.
Là, j'attends les nouveautés Essence et Catrice, la Disney, la nouvelle collection Disney avec les vilains. Sauf que ça sort que le 2 octobre, apparemment, donc c'est pas pour tout fouette. Ce qui m'arrange parce que j'ai clairement abusé ce mois-ci. Je vais quand même regarder les petites nouveautés. Ouais, non, ils ont ressorti la collection SFX de Révolution, c'est la même tous les ans. La nouvelle Carnival All Stars, alors c'est vraiment pour faire des sous parce que si vous avez acheté toutes les Carnivals, vous avez toutes les teintes dedans. Mais je crois qu'il y en a une. Il y en a une ou deux qui sont spéciales, mais ça vaut pas le coup. Commence vraiment à plus savoir quoi sortir, que ce soit dans une marque ou dans l'autre. Ça devient limite aberrant, je trouve. Les sorties là, en ce moment. Quand je vois la collection Game of Thrones, moi qui espérais tellement pour cette collection, en étant fan de la série, et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait. Voilà quoi, c'est décevant. Et sur Maki Beauty, bon, il n'y a rien de bien spécial. Oui, j'aime bien de temps en temps, je fais un peu le tour des petites nouveautés là, voir ce qui est sorti. Mais il n'y a rien de d'incroyable. Bon, ben sur ce, je ne sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou pas. On verra bien, sinon au pire. On switch le jour. Alors, il est 8h43. Peut-être dézoomer un peu, vous voyez un peu toute ma face. À peu près, voilà. Sans que vous voyez trop le bordel. Là, on va crash tester ensemble donc mes petites nouveautés. Je vais aller filmer mon réel et ma rotation. Les vidéos que je devais filmer hier que j'ai pas faites. Puisque j'ai buggé sur ma couture. Bon, après, je suis assez contente du résultat. C'est pas parfait, mais je suis quand même assez contente du résultat. Et aujourd'hui, je vais me faire donc le chouchou et un headband avec le tissu à carreaux. Alors, vous voyez légèrement mes cernes. Je suis crevée. Je suis même gonflée. C'est carrément des poches cette fois-ci. Hein. D'habitude, j'ai des cernes. Là, c'est des grosses poches. On va arranger ça. Hein. Alors, on va déjà tester la base Hydro Hero Primer de chez Essence. 48 heures d'hydratation avec de l'acide hyaluronique et de l'extrait de concombre. Et voilà. Bon, c'est une base hydratante, hein, donc elle ne fait rien d'exceptionnel. Petit embout pipette comme ils font souvent en ce moment. Hein, c'est un gel. On le sent frais, rien de spécial. Il y a quand même une bonne odeur de concombre. Ah oui, on sent l'hydratation. Ah oui, elle est hydratée. Ça, c'est simple. Petite base hydratante, ça fait toujours du bien. Donc, ça j'aime bien. De toute façon, les bases hydratantes en principe de chez Essence, j'aime bien. Et voilà pour ça. Donc, on va passer à la éponge Game of Thrones. J'en fous un peu. Hein. Et je vais mettre mon fond de teint. Donc, je prends le KVD parce que j'essaie de le terminer. C'est le dernier qui me reste. Je suis au bout. Hein. Au bout du bout. Ouais, vraiment au bout. C'est la dernière fois que j'utilise, peut-être encore une fois, si je racle bien les bords. Donc là, rien de spécial, hein, vous connaissez. Je l'aime beaucoup, mais je préfère quand même le Shein, la Shigam, parce qu'il bouge moins facilement. Bon, l'éponge, elle fait son job. Elle est quand même moins souple que les films. Comme quoi, pas besoin de mettre des milliers de cents pour avoir des bons produits. Hein. J'ai l'impression qu'elle a déjà séché, pourtant, je suis en ligne. Alors, vous me voyez très blanche, mais je suis pas blanche.
Voilà. On est bien portant. Demain, je vous montrerai mon jeu, mais j'en peux plus avec ce jeu. J'ai rencontré Elsa et Anna hier. Il n'y a pas encore beaucoup de personnages, je crois qu'il y en a 14 en tout, je viens de lire, hein, je sais déjà plus. Donc quand il sert, hein, toujours le même. Et bon, comme ça, un accès anticipé, c'est normal. Et comme ça vient de sortir, bah, il faut s'attendre à avoir pas mal de nouveaux personnages au fil du temps, dans des mises à jour, du moment qu'ils font pas des packs pour qu'on fera acheter pour avoir débloqué des nouveaux trucs, quoi. Ce serait con. J'espère que ça sera tout en mise à jour au fur et à mesure que le jeu va évoluer, quoi. J'allais dire, je vais essayer d'éviter de me foutre de lentilles dans l'œil comme d'hab, mais c'est déjà trop tard. Les titis vont pas tarder à se réveiller. Donc comme ça, j'ai le temps de faire mon teint, nourrir le chien, les titis, parce que chérie enfin a été racheter des verres. Alors c'est des micro-verres. C'est extrêmement chiant à leur donner. D'ailleurs, Shadow en a fait tomber pas mal. En dessous hier, faut que j'aille les récupérer. Tant qu'il se lève pour ça. Oh, hier j'ai eu la peur de ma vie. Je leur ai donné des blattes le matin parce que j'avais pas de verre. Sky, c'est une bonne chasseuse, donc elle l'a chopé direct, elle l'a mangé. Par contre, Shadow, je croyais qu'il l'avait bouffé, mais quand j'ai changé le fond de la cage, elle était dans le fond de la cage, dans les papiers du fond de la cage. J'ai fait un bond. Je pogne leur papier, puis j'ai la blatte qui arrive. Donc, vous imaginez ma grosse surprise. Vous voyez, il bouge déjà le fond de teint. Le chien bouge vachement moins. Je me suis foutu l'antition dans l'œil. Alors, on va tester la houppette. Alors, attends, je prends un mouchoir pour mon œil. J'arrête pas en ce moment. Chaque fois que je me maquille, je me fous l'antition dans l'œil. Et quand je me maquille pas, c'est la crème hydratante. Le contour des yeux, je me fous dans les. Voilà, maintenant c'est tout rousse. Tout rousse. Alors, on va tester la houppette essence et la poudre libre essence. Donc, c'est une Fix and Last Loose Powder Matte Blurring et Waterproof qui tient 14 heures. J'ai oublié d'enlever l'opercule. Pourtant, j'avais dit qu'il fallait que je le fasse avant. Ah, ça va, ils sont intelligents. Ils font un truc que vous pouvez choper sur le côté de la boîte. J'arrive quand même pas à choper, mais ils l'ont mis. Bon, c'est un petit contenant. Hein. Donc, l'intérêt d'être super bien. Bon, le tamis est déjà pas top top. Oups, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. J'ai presque vidé tout le contenant. Alors, on va déjà poudrer l'anti-cerne. Je vais m'en servir pour tout. Ça risque de dessécher un peu trop mon contour des yeux, par contre. Voilà, en fait, j'aime bien. Elle est hyper souple. Elle est aussi souple que la Linda Albert et elle a un peu le même effet que la Boozy Shop en moins rigide. La Boozy Shop était plus rigide et plus grosse aussi. Bon, la poudre, elle blanchit. On va voir en enlevant l'excès après. Ah, la houppette, j'aime bien. Oh, je vais m'en racheter.
mon cher Colin d'Albert. Oh! Ah, il est agréable, hein. Franchement. J'aime beaucoup. Et contrairement à la ligne d'Albert, vous pouvez vous en servir deux fois puisque vous pouvez la retourner. Ligne d'Albert, c'est pas possible vu qu'il y a la poche. Oh, putain, j'ai foutu la poudre partout. Oui, je m'en fous partout. Voilà pourquoi je m'habille jamais avant d'avoir fait mon teint. Alors, on va voir le résultat. On met dans la poudre. Ah ben c'est pas mal. J'ai le fond de teint qui bouge sur les nez en ce moment, c'est affreux. On va écouter. Elle fait le job, maintenant les actions font le job aussi. Hein. Mais vous me voyez vraiment très blanche. Pourtant, je suis pas blanche comme ça. Ça blanchit un peu quand même. Donc je préfère quand même action. Surtout que vu le prix et le grammage des actions, c'est beaucoup plus avantageux. Alors, je vais mettre un coup de bronzer. Je prends le Kiko. Parce que comme après, je vais tourner ma rotation, je vais l'enlever de la rotation. Comme ça, j'utilise encore une petite fois avant. Bon, de toute façon, j'ai étudié que celui-là. Puis ma dernière rotation, quasi. De temps en temps, de l'étale. Ils sont bons, la coco. Par contre, je vais devoir filmer ma vidéo avec les travaux, mais j'ai pas le choix. Je sais pas ce qu'ils font dans les travaux là, mais ils sont en route depuis lundi. Après, je peux rien y faire. Hein. Alors, on va passer au blush Kylie, qui est le Kitten Baby, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Qui est plus un orangé un peu nude, pêche comme ça, mais j'ai mon pinceau qui est un peu dégueu. Je vais essuyer les pigments sur mon essuie. Pas trop rosir le blush. Voilà. Oh, j'aime bien, c'est discret. Ah, c'est une teinte discrète, hein. J'en mets quand même la douce, mais c'est une teinte assez discrète. J'aime bien. Ben voilà, on a testé tout ce qu'on devait tester. Donc je vous reprendrai en haut pour tester le mascara après mon. Enfin, pendant que je filme mon graine. Mais je viens de voir un truc. Le blush Kylie ressemble pas mal à celui du milieu ici. De chez Shiglem. Il est juste un tout petit peu plus orangé. Et là encore, je crois que vous voyez même pas trop la différence. Donc
Donc là, c'est le Shigdam et là, c'est le Kaili. Le Kaili est juste un tout petit peu plus rosé. Mais c'est une bonne alternative, c'est un peu le même genre. Après, moi, je mélange toujours, enfin, très souvent celui-là avec une des deux autres teintes. Là, j'aime beaucoup le rendu. Et je pense que si vous le mélangez avec celui-là, vous avez quasi la même teinte. Voilà. Si jamais. Moi, j'ai quand même le gardé parce que je voulais un Kylie. Voilà, voilà. Donc, gros coup de cœur sur la houppette. Voilà. Là, le scratch test, là, c'est pour l'instant, c'est la houppette qui me plaît le plus. La base, j'aime bien. Alors, rien de spécial. Le blush, j'aime beaucoup. La poudre, je l'utiliserai, mais après, je resterai sur mes Action. De toute façon, ou la Shiglam hein, aussi, si vous ne trouvez pas celle de chez Action. Donc voilà, je vous reprends en haut pour tester le nouveau mascara. Comme ça, on aura tout testé de mes petites nouveautés. J'ai pas encore testé le sérum pour les cils. J'arrête pas d'oublier. Et voilà. Donc, à tout de suite. Donc j'en suis à l'étape du mascara. Donc on va tester celui-ci, le Like a Boss. Lash Like a Boss. De chez Essence aussi. Donc c'est une brosse incurvée cette fois-ci, mais en poils. Donc on va voir, ils disent extra black. Alors attendez, je prends mon petit miroir clouless. Voilà. Faut juste que je trouve une solution pour l'arrière. Et on est parti. Alors extra black, oui. Longueur, ok. Donc voilà ce qu'il donne en une couche et c'est déjà pas mal prometteur, hein. J'aime bien. Pourtant, les mascaras essence, moi, il faut toujours que j'attende normalement qu'ils vieillissent un peu avant de les aimer. Bon, écoutez, on va faire l'autre œil, on va faire une deuxième couche, hein, de toute façon. C'est obligatoire. Il faut que je refasse mon recouvrement ici aussi, c'est 4. Extra black, ouais. Une couche, c'est déjà pas mal, hein. Alors, on va passer à la couche ultime. Donc, je prends le comté, le côté bombé cette fois-ci, et la brosse. Bon, alors si vous n'aimez pas l'effet paquet sur les cils, ce ne sera pas pour vous, mais moi j'adore. J'aime bien. Voilà, deux couches et une couche. Écoutez, c'est plutôt prometteur, hein.
À voir dans une petite semaine, une fois qu'il aura bien séché, enfin séché, pris de l'âge. Il doit être encore mieux. Mais ouais, clairement, si vous n'aimez pas les effets paquets, et on voit qu'il y a des petites fibres à l'intérieur, forcément pour la longueur. Par contre, je pense quand même pas qu'il détrônera mon Catrice. Mais combo, ça peut être sympa. J'essaye vraiment avec le Catrice d'un côté et celui-là de l'autre. Mais pour l'instant, j'ai pas de Catrice ouvert. Donc j'ai assez de mascara ouvert. Je vais pas en ouvrir un autre. J'essaye hein, de ne pas trop ouvrir le produit à la fois. Mais j'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Donc moi je vais achever mon réel, je vais tourner ma rotation. Ensuite, je sais pas, je dois laver mes pinceaux et je vous reprendrai tout à l'heure pour faire le headband avec mon tissu à carreaux. Comme ça je vous montre comment je fais. Et voilà, de toute façon je dois attendre 1 heure avant de pouvoir aller à la sieste que Georges y rentre. Donc on peut passer le temps là-dessus. Voilà, donc je vous reprends en bas tout à l'heure pour faire le épel. Alors, il est 11h54, donc il me reste encore à peu près 1 heure avant que Georges rentre de l'école, donc j'ai le temps de faire mon headband. Donc on va faire ça ensemble. Bon, je vous explique le procédé, je vous montre au fur et à mesure ici. Je vais pas vous prendre pour filmer là-bas parce que je vais devoir tout déménager à chaque fois, ça va être beaucoup trop chiant. Voilà, donc je prends 1 mètre ruban et je vais mesurer la taille de mon crâne. Il doit pas être très gros, j'ai la grosse intelligence de mamie. Donc en partant de la nuque, et là où je mets habituellement mes headbands, bandeaux et tout ça, tout ça. Donc on arrive ici à 56 cm. Et je vais enlever 10aine de cm, je pense. Je regarde pour ma nuque. Ouais. Donc je fais 46 cm de tissu. Non, je vous dis n'importe quoi. Je vais l'emballer dans du tissu. Donc, 56 cm plus les marges de couture, je vais ajouter 2 cm, ça fait 58. Et je vais prendre 10aine de cm d'élastique, donc hein, tout fin. Donc je vais déjà couper mon tissu. Je ne sais pas sur quelle largeur je vais le prendre par contre. Qu'il fasse quand même une belle épaisseur, on va dire ça. 4, 5, ouais, je vais faire 5 cm. Ou 4, je vais voir dans le miroir parce que là, je ne vois pas bien. 4 ou 5 cm, je vous dirai après. Donc je prends le double pour qu'il se ferme, plus 2 cm de marge de couture. Donc je prends 8, 10 ou 12 cm. Voilà, je vous dirai après. Je vais aller voir comment je coupe et je reviens vous montrer la découpe. J'ai donc découpé ma bande de tissu sur 10 cm puisque 4 cm de largeur, ça sera largement assez. Donc admirez-moi cette merveille. Il est trop beau. Ça fera vraiment trop beau dans les cheveux. Voilà, avec l'ensemble que j'ai fait. J'ai coupé 10aine de cm, je fais au pif, hein, d'un petit élastique. Et alors j'ai mesuré aussi le sommet de mon crâne, jusqu'ici à peu près. Ça faisait à peu près 25 cm. Et j'ai coupé un tissu plus rigide pour faire pour entoiler, puisque j'ai pas de thermocollant. Sans le thermocollant, à force, quand il se lave, bon, ça on lave pas régulièrement, mais quand il se lave, quand on le lave, ça devient dégueulasse. Donc là, c'est les vieilles housses de coussin de mon canapé qui sont en matière un peu jeans comme ça. Sinon, vous prenez du jeans. Voilà. Moi, j'utilise des tissus assez épais. Et donc, du coup, j'ai calculé pour que ce soit rigide juste au-dessus et pas au niveau de derrière les oreilles. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais juste couper un tout petit peu en pointe. Donc je plie en deux et je coupe un petit peu les coins de chaque côté.
C'est pas grave si c'est pas très net, hein. De toute façon, c'est à l'intérieur. Ah, j'ai plus de batterie. Je vais vous expliquer ce que je vais faire et je viendrai vous remontrer le résultat. Je vous montrerai demain, je pense. Il faut que mon appareil recharge. Voilà. Donc ça, je vais le coudre au point zigzag tout autour pour pas que ça s'effiloche, bien que ça va pas s'effilocher, mais je suis accro au point zigzag. Ici, je vais le coudre donc en le pliant en deux. Tout simplement. Ensuite, je le retourne. Ce que je vais faire, je vais mettre la couture au milieu. Je vais le repasser avec la couture comme ça au milieu, comme ça sera la partie qui viendra sur la tête. Et à l'intérieur, je vais sur les bords ici, donc il sera comme ça. Je vais replier les deux extrémités et mettre l'élastique pour que ce soit plus fin derrière et élastique. Voilà. Donc du coup, je vous montrerai le rendu demain puisque là j'ai plus de batterie. C'est pas bien compliqué. Si vous voulez vraiment que je vous fasse un tuto, qu'est-ce que j'aime pas ce mot-là, mais j'ai pas d'autres mots pour ça. Un tuto complet, dites-le moi, je vous en ferai une vidéo. Et voilà, on va déjà voir ce que ça donne parce que je l'ai jamais fait encore. Donc je vous remontrerai ça demain, je vous montrerai également mon jeu et voilà. Donc sur ce, vu que j'ai plus de batterie, avant que ça coupe, on suit toujours. Alors, je vais manger une banane. Il est 10h56, il est très tard, je vous prends très tard, mais j'ai joué toute la matinée avec Amy. Voilà, parce qu'elle s'est acheté le jeu aussi. Et du coup, on est en visio et on joue en même temps. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le headband et j'ai fait mon chouchou avec le même tissu, parce que je fais un chouchou avec chaque truc, comme ça j'ai du chouchou assorti à toutes mes tenues. Ensuite, je vais coudre les chouchous des filles. Je vais couper mon tissu pour faire ma jupe. Et je jouerai un peu. Comme ça, je vous montre le jeu avant de switcher de jour. N'est-ce pas? Donc, je viens de le modifier un petit peu ce matin parce que je suis tombée par hasard sur un tuto que j'ai trouvé super intelligent. Genre, le chose de choses que j'aurais pu penser mais que je n'ai absolument pas pensé. C'est pour l'élastique. Du headband, le faire avec un élastique à cheveux. Donc là, j'ai pris un tout petit, assez fin. Je pense qu'il tiendra pas très longtemps, mais bon, si ça tient pas, je le referai par après. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais l'enfiler, bien que je n'ai absolument pas une tête coiffée pour mettre ça. Surtout que là, attention à la tête. Ouh, ça part en cacahuète. Oui, ça fait mal les piercings. Oui. Et voilà, il est très beau, hein. J'adore. J'aime beaucoup ce tissu. Voilà. Vous verrez dans le bilan couture l'ensemble que j'ai fait avec et j'en suis un peu très fière. Et chouchou, j'ai changé. Du coup, j'ai mis aussi un élastique à cheveux intérieur. Donc, je le trouve beaucoup plus joli comme ça. Il fait moins raplapla. Sauf que j'ai oublié de tourner la bande que j'ai surjetée vers l'intérieur. Normalement, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Mais ça chope pas, vu que ça fait une jolie finition quand même. Bon, ce tissu-là s'effiloche un peu, donc c'est chiant, on est obligé de le surjeter. Mais une fois attaché dans les cheveux, je pense qu'on verra plus trop la différence. Et du coup, c'est un autre procédé pour le faire. Donc, je pense que je vous ferai un tuto. Ce sera peut-être plus simple. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser un tuto. Donc j'ai mis l'élastique à cheveux à l'intérieur. Donc comme là, vous ne pouvez pas glisser, coudre votre chouchou à l'envers et glisser l'élastique à l'intérieur. J'ai dû m'amuser à plier le tissu autour de l'élastique et coudre petit à petit. Mais du coup, il a une meilleure forme et en plus c'est plus économique puisque les élastiques à cheveux chez Action, Shein, AliExpress et tout ça coûte absolument rien. Non, vraiment rien. Et du coup, je vais me racheter des élastiques à cheveux. Ça coûte moins cher que l'élastique tout fin là, que j'utilise normalement. Et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli et il s'étend plus aussi. Bon, après, je mets plus de tissu que les premiers tutos que j'avais suivis. Je mets plus de tissu, donc ils sont un peu plus froufrouteux, comme je les aime. Et voilà pour mon petit truc. Voilà, après, oh, ça fait très ruban africain là. Vous savez qu'ils mettent avec les boubous? Oh, ça fait joli aussi. Je dis n'importe quoi, je suis fatiguée.
Voilà. J'ai pas eu une matinée très productive, hein. J'ai fait un chouchou, j'ai peaufiné mon headband, j'ai fait mon lave-vaisselle et c'est tout. Ah, j'ai nettoyé ma table aussi, parce que les garçons, quand ils mangent, on dirait une porcherie. Donc là, je vais faire les deux défis. Je vais couper mon tissu pour ma jupe. Il faut que je prépare aussi mes tips pour filmer une partie du DIY des press on nails, là. Donc je vais être un peu plus productive après. Je pense que je ne vais pas faire de sieste aujourd'hui. En ce moment, je fais très peu de sieste. J'en ai fait une hier de 3h30. Et je suis quand même remontée me coucher à 10h30. J'étais crevée hier, vraiment. Mais la journée était un peu plus productive hier quand même qu'aujourd'hui. Bon, après des petites journées comme ça, ça fait du bien aussi. Donc je vais préparer ce que j'ai à préparer et je vous reprends sur le bureau. Par contre, il va falloir que j'accroche ma pince pour vous filmer parce que sinon je ne peux pas bouger mon personnage en tenant le téléphone. Je ne peux pas jouer d'une main. Il me faut les deux mains. Une sur la souris, une sur le clavier. Et là, j'ai dégainé mon petit. Oh, il est bon! Mon petit café froid. C'est meilleur avec du lait de noisette que la recette que je vous ai montrée dans le précédent vlog, je crois, ou dans celui d'avant, je ne sais plus. C'est meilleur avec un petit peu de lait de noisette. Donc, je mets un demi-litre de lait de noisette et je compense avec du lait de vache. Et là, chéri, comme il ne savait pas lequel il devait me prendre, il m'a pris un lait de noisette classique et un chocolat noisette. Et là, j'ai mis le chocolat noisette dedans. Et ben, c'est bien bon. Ça a un petit goût de Ferrero Rocher. C'est bon. Bref. Bon, je vous reprends après pour vous montrer le jeu. Ah oui, alors le jeu. Manon vient de découvrir un truc. Donc, Amy vient de se l'acheter. Il est à 30 euros, hein, en accès anticipé. Sauf que vous payez juste l'accès anticipé, puisqu'en 2023, il sera gratuit. C'est un free-to-play. Voilà. Donc, pour ceux qui ne veulent pas payer pour l'accès anticipé et qui ont plus de patience que Amy et moi. Et Manon, parce que Manon, je pense qu'à force qu'on lui en parle, elle va finir par l'acheter. Vous savez qu'en 2023, ce sera un jeu gratuit. Là, vous payez l'accès anticipé pour le tester en avant-première, en fait. Après, je trouve pas le prix excessif. Voilà, franchement, 30 euros, ça sera un jeu payant, ça serait vraiment pas cher. Voilà. Je regarde où en est mon colis Color Pop. Bien qu'il n'est pas prêt d'arriver, hein. Il faut compter au moins 15 jours, je pense, pour qu'il arrive ici. Après, c'est ce que je disais, ils l'ont expédié quand même relativement vite comparé à d'habitude. Traitement finalisé au lieu de départ. Donc là, il va quitter la Californie. Par contre, mon truc AliExpress, il bouge toujours pas. Hein. Depuis le 4 septembre, il est bloqué aux douanes. Ce serait peut-être temps qu'il arrive. Hein. Peut-être. Soyons pas pressés. Je disais à Amy, le mois prochain, il faut que je commande mes guirlandes lumineuses pour Noël, là, parce que c'est pas le tout ça, mais vu le temps que ça arrive en ce moment, si je les veux pour Noël, il faudrait peut-être que je me décide à les commander quand même. Bon, c'est pas comme si elles étaient dans mon panier depuis février, je crois. Février ou mars. Voilà. Ah oui, et la gagnante a reçu son lot, donc je peux supprimer ces informations personnelles. Bon, allez, je vous reprends après. Donc voilà le jeu, à quoi ressemble mon perso. Et vous voyez Vaiana et Maui derrière. Donc le perso, vous le créez au départ et vous gagnez de quoi le customiser en faisant vos quêtes. Voilà, là j'ai une quête d'Elsa, il me faut du blé et du beurre, mais je vais juste vous. Ah oui, j'ai Pois aussi comme petit compagnon. Voilà. Donc ici c'est ma maison. Alors je suis en train de regarder dans le retour écran, pas très intelligente la fifi. Je vais récolter ce que j'ai récolté. Donc voilà, c'est le petit village. Donc au départ vous avez que cette. Voilà, Mickey, vous avez que cette partie-ci. Et ça se développe au fur et à mesure. Donc vous gagnez des personnages, vous construisez le. Ici, on a le restaurant de Rémi, sa maison. Vous construisez au fur et à mesure de vos trucs, quoi, voilà. Ici, c'est la maison de Vaiana. On a la maison de Dingo juste ici. On a la maison de Wally qui est juste là.
La maison de Merlin là-bas avec Mergothel. Alors la Mergothel, elle me fait mourir de rire dans le jeu. Si vous avez suivi le dessin animé Réponse, vous avez sa façon de parler dans la tête quand vous lisez ses phrases et c'est juste exceptionnel. C'est vraiment génial. Ici, on a le marais. Et là, il y a Ursula qui se promène d'étang en étang. Elle vous la trouvez un peu partout. On a la plage ici en dessous avec Minnie. Ça, c'est Minnie. Avec Minnie qui est dans un monde parallèle que je dois sauver. La maison de Donald. Donc, vous récoltez, vous avez les coquillages à récolter sur la plage, les noix de coco. Mais ça, c'est avec. Attendez, parce que là, je peux. J'ai un bonus, j'ai un bonus, j'ai un bonus, j'ai un bonus, j'ai un bonus! Ça, c'est avec Maui, les noix de coco. Ici, on a la maison de Maui. De l'autre côté, celle d'Ursula. Qu'est-ce que j'ai encore installé? Donc, vous devez aussi meubler un peu les différents mondes que vous décalez. Il faut que vous gagniez de la Dreamlight ici. Donc, vous avez des quêtes à faire. Bon, là, c'est les journalières hein, qui se renouvellent à chaque fois. Vous en avez toujours 6. Et vous avez toutes celles-là. La collection, bah, je vais vous montrer les personnages que vous pouvez avoir. Donc, moi, il m'en reste 3. Il me manque Ariel et Eric et donc Minnie que je dois encore débloquer. Il me reste un monde à débloquer. J'ai tout débloqué, enfin presque tout parce qu'il y a à chaque fois, vous voyez où il y a les ponts là, c'est bloqué, il faut améliorer vos items. Et il me reste les terres oubliées. Donc là je viens de voir que, bonjour Maui, les prochains personnages en automne, ça sera Toy Story et le Roi Lion. Donc là, c'est génial. Vous avez des petits animaux comme ça qu'il faut s'amuser à essayer de choper pour les avoir comme amis. Donc là, on a Anna et la maison d'Anna et Christophe. Là, c'est les terres glacées. Et par là-bas. Alors attendez, parce que j'ai réussi à débloquer un pont. On a la maison d'Elsa, enfin la grotte d'Elsa. Elle vit dans une grotte. Voilà, c'est la maison d'Elsa, donc vous pouvez rentrer dedans, hein, mais je vous laisse découvrir au fur et à mesure, si jamais vous voulez jouer. Mais franchement, on s'ennuie pas sur le jeu, contrairement au zoo. Le zoo, ça m'a vite lassé, parce que ben, c'est tout le temps la même chose. Vous faites des enclos, vous mettez des animaux, vous revendez vos animaux, faites attention quand ils sont vieux, à changer vos animaux. Enfin, c'est tout le temps, c'est très redondant, donc à part profiter des animaux que vous avez et regarder. Il n'y a pas beaucoup d'activités à faire en jeu, quoi. Vous n'avez pas énormément de quêtes et tout ça. Ici, par contre, les quêtes, vous en avez tout le temps et il n'y a pas moyen de s'ennuyer alors que ça fait qu'une semaine qu'est sorti le jeu, quoi. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment moyen de faire. Franchement, il est hyper prometteur, hein. Bon, après, je ne vous raconte pas l'histoire, hein. Par là, vous avez le château, et dans le château, en fait, bah, je vais vous montrer, ce sera plus simple. On va rentrer dedans. Sky. Donc, ici, vous avez que 4 portes pour l'instant, mais vous voyez toutes les autres portes qui sont à venir. Hein. Donc, ça, toutes les autres portes là qu'il y a, c'est tous des autres mondes à aller visiter pour avoir des nouveaux personnages. Donc, ça, vous devez les débloquer. Et vous avez ici Vaiana, ici Ratatouille. Ici Wally, donc il vous faut de la Dreamlight hein, pour pouvoir débloquer tout ça. Donc tout ça c'est des futurs personnages qu'il y aura dans le jeu. Hein. Et la Reine des Neiges. Voilà. Pour l'instant, c'est les seuls qui sont débloqués, mais vous voyez qu'il y en a un paquet. Hein. Bon là, on ne peut pas monter. Il y en a beaucoup, beaucoup à venir. Hein. Puis bon, vu le nombre de dessins animés Disney qui existent, je pense qu'il y a moyen d'en avoir beaucoup. Hein. Voilà. Ici, c'est les 3 dernières. Mais ça peut évoluer très vite. Franchement, je suis addict, complètement addict. Je crois que c'est mon jeu préféré. Oh, ils sont chiants ces camions. Autant j'adore Portia et Sandrock que celui-là avec l'univers Disney. Mais c'est exactement la même chose hein, comme principe de jeu.
Mais là, du fait que c'est Disney, on est vraiment transporté en fait dans un autre monde. C'est un truc de fou. Là, je dois aller chercher du beurre. C'est ça qu'il me faut, hein? Du beurre, oui. Je vais aller acheter du beurre tant qu'on est ensemble. C'est très reposant. Donc ici, c'est le restaurant de Rémi. Vous pouvez les servir aussi. Donc là, par exemple, Anna, elle veut des légumes grillés. Donc le sandwich au beurre de cacahuète, je ne fais pas parce que je dois acheter les cacahuètes. Et vous allez voir le prix. Là, il me faut déjà du beurre. Voilà, c'est 200 pièces d'or. Je trouve que ça fait cher pour une portion de bazar, quoi. Donc je vais faire les légumes grillés de... C'est bien des légumes grillés hein, qu'elle veut. Ouais. Mais après, vous avez une cuisinière dans votre... machin, dans votre maison. Légumes grillés, hop, remplissage automatique. Forcément, il me prend un que j'ai presque plus. Il y a Rémi qui est côté or. Et on va donc aller l'amener à Elsa. Ça fait gagner des points d'amitié. Parce que c'est. Voilà, entre la discussion et les cadeaux, aller les prendre avec pour aller faire de la récolte. Il faut augmenter votre amitié avec eux pour débloquer des quêtes, quoi. Donc, c'est bien. Je suis contente. Et voilà, je gagne un niveau. Donc, excavation niveau 4, puisque j'avais pris ça. Et je gagne 500 pièces d'or. Après, on gagne. Regardez la robe qu'on peut gagner. Magnifique. Mais j'ai pas eu ma conversation quotidienne avec elle, donc... Sans le règne. Voilà, ça fait gagner pas mal. Et j'ai quelque chose pour toi. Donc vous avez les cadeaux. Et ici, vous avez les trois qui préfèrent. Vous pouvez leur donner n'importe quoi. Hein. Mais ça, c'est ce qu'ils préfèrent. Donc ça fait gagner plus. Donc si vous avez, vous donnez. Et ça change tous les jours, en fait, les trois préférés. Là, j'ai pas. J'ai pas la liste de la passion noire. Donc hop, je donne celui-là. Ça me fait une place dans mon inventaire. Hein. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est Elsa et Anna de la version du deuxième épisode. Mais voilà, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup. J'ai gagné une couronne hier. C'est très bien, c'est dans le thème. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous donnera envie d'y jouer. Enfin après, vous faites comme vous voulez, hein, bien évidemment. Donc comme je vous l'ai dit, il est payant pour l'accès anticipé. Sinon, en 2023, il sera gratuit. Mais j'ai pas de date. Voilà, je sais juste que là, en automne, avec une mise à jour, on aura Toy Story et Le Roi Lion. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, il est dispo sur Steam. Donc là, moi, je joue. Et apparemment, il est dispo en anticipé aussi sur Switch. Les autres plateformes, je ne sais pas. Moi, je ne les ai pas. Je joue que sur PC. Donc, j'aime pas jouer sur console. Donc, voilà. Ben, écoutez, moi, je vais aller achever ce que j'ai à faire. Jouer un petit peu entre-temps. Et voilà. Donc sur ce, on peut switcher le jour avec ma magnifique petite Missy qui est trop belle. Voilà. Alors, il est très tôt, hein. Il est 7h presque et demie. J'ai eu la bonne idée d'ouvrir la cage de Titi pour leur donner des verres. Et ils sont dans mon tiroir. Voilà, comme d'hab. En fait, le problème, c'est que chérie, il a acheté des verres. Ils sont tellement petits. Mais alors, tellement, tellement, tellement petits. Ils sont vraiment riquiqui. Donc, j'arrive pas à les attraper pour leur donner au doigt. Donc, ce que je fais, en fait, Sky, en ce moment, elle me lâche plus. Donc, je prends la boîte dans ma main et elle se met sur moi et elle mange comme ça. Mais du coup, Shadow est sorti aussi, même qu'il veut pas de verre. Et bah, c'est le bordel. Voilà, je l'ai déjà récupéré là où il pouvait pas aller. Et là, ils sont dans le tiroir. Voilà, c'est chouette. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont certainement changé de crèmerie, là. Attendez, je retourne et on va essayer de voir où ils sont. Bon, alors, ils sont déjà plus dans le premier tiroir. Donc, ils doivent être dans le suivant. Ce que j'aime pas parce que là, il y a les lingettes. Ah, bonjour. En voilà un. Bonjour. Et pestouille numéro 2, t'es où? Je ne sais pas. Eh bien, il y a les lingettes là, on ne peut pas traîner là. Tu sais, maman, elle n'aime pas que tu restes dans les tiroirs. Hein? C'est pas bon les lingettes là. C'est caca. Bon, c'est caca ça. Non, tu descends pas.
fais? Mais qu'est-ce que tu fais donc? Eh bien. Bon, va-t-on rester dans la cage? Non, on va ressortir de l'autre côté. Ah, je vous jure, c'est des terreurs. Allez, numéro 2. Allez, pestouille 2. Allez, pestouille 2, on rentre. Ici. Voilà. Allez, on reste à la maison maintenant. Oui, on reste à la maison. Oui, voilà, faites du catch. Vous avez raison. C'est l'heure de la séance de catch. J'aimerais bien qu'ils se lèvent plus tôt le soir pour pouvoir les sortir un peu plus longtemps. Hier, ils sont sortis. On a bien rigolé. Mais Sky, elle ne me lâche absolument pas en ce moment. Elle reste collée à moi. Elle me faisait des gâtés et tout hier. C'était génial. Voilà. Maintenant, ça râle parce que j'ai fermé que ça veut ressortir. Hein? Ces petites choses-là. Oui, mais ça n'écoute rien. On va passer au chichou, tiens. Faut que je fasse leur cage. Alors là, on a une mémère Queenie très en forme qui est en train de faire sa séance d'étirement du matin. Je sais pas ce qu'elle fait, elle a bugué. Et on a Gougou qui croit déjà lui ouvrir la porte. Bonjour, Gougou. Bonjour, pépé Gougou. Ça va, mon pépé Gougou? Oh, tu parles à maman. Tu parles à maman. Tu veux pas balayer ta cage? Parce que là, t'as foutu du foin partout. Là-bas, il y a des graines partout. Sans compter les cacas. Hein? Mais oui, vous foutez le bordel. Hein? Vous êtes des gros crados. Tu parles à maman. Oh. Oh, il parle à sa maman. Et Queenie? Bonjour, ma Queenie. Bonjour, ma petite mère. Mais t'es haute, hein, là. Bah oui, hein. Pas mes ongles, là. C'est du plastique, hein. C'est caca. Bonjour, ma mère Queenie. Non, pas mes ongles, j'ai dit. Non, pas mes ongles, j'ai dit. Et bébé Luna, bah, elle doit dormir, comme d'hab. Bébé Luna, elle dort ou elle fait des conneries? Elle dort, c'est pas compliqué. Petite et belle, ma Queenie. Oh, quelle beauté. Mais elle était magnifique. Oh, quelle beauté. Oh là là. T'as dû être Miss France dans une autre vie, toi. Hein? Ah ouais, même Miss Univers. Et Gougou, je ne sais pas trop. Il était quelque chose hein, dans le temps, mais quoi? Ça, c'est une autre histoire. Petite et belle. Oh là 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 là. Oh oui, bonjour. Tu salues en plus. Tu salues avec ta papate de princesse. Enfin, de queen, pardon. Hein, Gougou? Ça fait quoi d'être le bouffon de la reine? Hein? Parce que toi, t'es un petit bouffi-bouffon, moi. Bah oui. Plus, tu fais que bouffer. Hein, ma Queenie? Oh, bonjour, beauté. Bonjour, petite beauté. T'as vu, t'es sur YouTube. T'aimes bien être sur YouTube. Hein? Tu parles pour YouTube? T'as quelque chose à dire? C'est lors de l'interview de Sa Majesté? Ouais. Ouais. Oh, quel beau profil. Ah, tu montres ton meilleur profil. Ah, ça, c'est bien. Ah, ouais. Oh là là, quelle pose. Merveilleux, madame. Oh là 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 là. Voilà. Eh oui, voilà ma vie du matin avec toutes les bestioles. Et encore, Ryan est remonté se coucher. Comme d'hab. Alors, attention, je m'assois. Ah non, ça monte. Ça va aller se coucher. Merde, j'ai oublié de refermer la boîte de verre avant. Ok, c'est bon, ils n'ont pas réagi. Voilà, bah, je vous reprendrai après. Là, je vais. Bah, de toute façon, je vais attendre que les deux partent. J'ai déjà fait mes petits soins. Je vais brosser mes dents. Comme ça, après, je vais filmer. Je vais déjà vous donner le planning de la semaine prochaine. Alors, lundi, une palette à make-up, c'est avec la Aries de chez Glam. Donc, réel le mardi. Mercredi, rotation make-up. Vendredi, full face petit prix, c'est ça que je vais aller tourner. Et dimanche, le vlog. Et comme je vous fais le full face petit prix, moi aujourd'hui, mais que c'est pour vous la semaine prochaine, dans 15 jours, on fera un full face avec mes produits de luxe.
entre guillemets, parce que j'ai pas des produits de luxe dans chaque catégorie. Donc voilà, mais comme ça on comparera un peu les prix. Voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps. Ça me permet d'utiliser des produits que j'ai pas beaucoup utilisés. J'ai les yeux explosés, complètement explosés. Voilà, comme ça je vous montre, je vous parle de mes ongles après et je vous montre, j'ai reçu les feutres Stempel là de chez AliExpress colorés. Je les ai swatchés hier sur ma main, ça partait dans les ridules, il est trop liquide donc je vais essayer de bien le secouer avant de faire de refaire les swatchs. Comme ça on verra, mais je vous montre ça après. Et voilà, de toute façon je vous reprends quand j'ai fini de filmer. Et merde, c'est le bouton là. Je sais pas si c'est un genre de bouton de fièvre ou un bouton. En ce moment, en plus, j'arrête pas de manger du chocolat. Donc, ah oui, voilà. Ceci explique cela. C'est le chocolat. Je me suis chopé un bouton à cause du chocolat. Voilà. Mais en ce moment, j'ai envie de chocolat. Écoutez. Je vais me refaire un café aussi. Et aujourd'hui, je couds ma jupe parce que hier, du coup, j'ai bugué sur mon jeu. Là. Enfin, je suis resté sur mon jeu. Elle fait que bouffer. Elle est déjà énorme et elle va être. On va t'appeler Bibodome. Bibodame, plutôt. Allez, je vous reprends après au lieu de dire des conneries. Alors, il est 10h et je vais clôturer le vlog. Alors, j'ai pas filmé et je pourrais pas filmer parce que ces putains de travaux m'emmerdent. Là, ça va, c'est calme. À mon avis, ils font la micro-pause ou ils font autre chose. Mais j'arrête pas d'entendre des bip-bip depuis tout à l'heure. Là, c'est extrêmement chiant. Des camions qui reculent et tout ça, tout ça. Bref, c'est extrêmement chiant. Donc, je peux pas filmer. Je filmerai demain matin. Ça sera plus calme sur la route. Enfin, du moins, avec les travaux, puisque il n'y aura pas de travaux. Donc, pour mes ongles, hier, j'ai testé. J'étais en train de filmer la vidéo des presses en nails. Hein, donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait grosso merdo. Voilà, j'ai fait un peu ce genre de. J'ai fait ça et j'ai changé à chaque fois la disposition des petits points. Voilà. Sauf que ben, j'ai collé les premiers sur ma première main et j'ai pas supporté. Je supporte pas en fait. Ça me fait mal dans les cuticules, je sais pas expliquer. En fait, comme c'est juste posé dessus, même que j'ai mis deux pastilles collantes, le fait que c'est juste un peu collé dessus, ça bouge. Et en fait, si j'appuie un peu trop sur mon doigt, ça rentre dans les cuticules, ça me fait mal. Donc, je les sens vraiment posés avec les stickers, là, ça va pas. Je supporte vraiment pas. Donc, du coup, comme hier, j'ai vu. Hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin, j'ai vu la dernière vidéo de Val Beauty & Co. Qui montrait qu'elle collait ses faux ongles avec en façon pose américaine. Donc. Ça fait un moment que je vous en parle, que j'ai dit que je testerais, et à chaque fois on me disait, mais non, ça va pas, ça va pas. Donc du coup, je l'ai fait hier, et ça colle. Ça tient. J'ai dormi avec, il n'y en a pas qui ont sauté. Sauf que celui-ci sautera dans pas longtemps, il tiendra pas beaucoup. En fait, il n'a pas, si vous allez bien voir, j'ai quelques ongles, surtout celui-là, qui est plus incurvé que les autres. Et du coup, ici, vous voyez la pastille. J'ai pas réussi à la courber assez pour la taille de mon ongle, enfin pour la forme de mon ongle. Donc ça dépasse un peu. Et là, il suffit que je m'accroche une fois, ça va sauter. Et pareil pour le petit doigt parce qu'il est aussi très très incurvé celui-là chez moi. Les autres moins, hein. Ils sont dégueulasses. Mais ça tient. Voilà. Maintenant, les filles m'ont dit, moi j'ai déjà essayé, ça marchait pas. Alors je sais pas ce qu'elles ont fait. Celui-ci, j'ai eu du mal à le coller parce qu'il collait pas. Il tenait pas, même avec la lampe UV et tout, donc j'ai juste remis de la gummy base et je l'ai remis avec la truc et ça tient d'enfer. Donc voilà, écoutez. Alors il y a des inconvénients et des avantages. Alors déjà, le premier avantage c'est que ça va super vite puisque vous n'avez pas besoin de faire votre nail art. Le deuxième avantage c'est que vous pouvez avoir des jolis nail art beaucoup plus facilement. Puisque c'est pas toujours évident de faire ce genre de choses, soit on n'a pas tout le matériel ou pas la dextérité, surtout pour faire la mauvaise main. La tenue, je peux pas vous en parler, hein, puisque je les ai fait hier soir, donc on en parlera dans le prochain vlog. Maintenant, en inconvénient, c'est que ben déjà, quand vous les collez, vous voyez pas s'il y a des bulles. Ici, encore à la limite, ça se voyait un peu parce que c'est du nude, donc c'est semi-transparent.
Mais si vous mettez des darks, on voit pas si on fait des bulles ou pas. Donc c'est pas super pour l'ongle non plus si vous avez des bulles au moins dans les contours, quoi. Donc là, il faut faire super gaffe. Le deuxième inconvénient que moi je trouve, c'est qu'il n'y a pas forcément tous les tips à la bonne taille par rapport à vos doigts. Mais sinon, je ne ferai peut-être pas ce système-là tout le temps, mais au moins, si vous trouvez des beaux faux ongles que vous vous dites « Oh tiens, j'arriverai pas à le reproduire », vous savez que vous pouvez les coller comme ça. Et j'aime beaucoup. Alors celui-ci, je vous ai dit, il est vraiment pas bien mis, parce que regardez, même ici, c'est... Je sais pas, franchement, ce doigt-là, j'ai beaucoup de mal, même avec les tips pour la pose américaine. Hein, je dois limer, 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 limer. Ici, j'ai pas trop envie de limer parce que j'ai peur que ça, ça griffe trop la capsule. Maintenant, les capsules que vous avez là, si vous commencez à en avoir marre mais que vous voulez pas forcément les changer, vous pouvez aussi les modifier. Si vous voulez remettre une couche de vernis, il suffit de les griffer. Si vous voulez coller des strass, pareil, vous griffez un petit peu le petit endroit où vous allez mettre de la base pour coller le strass, enfin, ou du top coat plutôt. Et voilà, si vous voulez, ici il faut que je lime, j'ai mon ongle naturel qui repasse un tout petit peu au bout. Je suis en train de dire, putain, les titis qui se réveillent encore. Les titis, ils abusent, hein, parce que je disais à Amy, là, enfin aux filles, ils ont trop facile à me... Ils me mènent vraiment par le bout du nez, quoi. Je leur ai ouvert la cage 3 fois aujourd'hui. Alors, en disant à chaque fois, non, tu rentres maintenant, c'est plus l'heure de sortir, on va faire dodo. Mais à chaque fois, je les faisais ressortir parce qu'ils me regardaient avec leurs petits yeux de chapeautier tout mignons, là. Ah, c'est des pestouilles. Donc, prochaine étape, on testera avec des tips comme ça que j'ai fait moi. Donc, on testera avec ceux-là. Faut que je les range. Je sais pas où j'ai foutu les autres. Faut que je cherche après que je les range. Et je pense que la semaine prochaine, parce que je pense que ça va sauter. Et comme j'aime bien changer mes ongles à peu près toutes les semaines. Mais bon, si c'est pas dans le prochain vlog, ça sera dans celui d'après. N'oubliez pas surtout de... Chien. Qui vient de rentrer dans un nuage de poussière. Donc, à mon avis, il était couché dans la terre. De limer l'intérieur de vos capsules. Je ne sais pas si les filles ont pensé à le faire, mais voilà, c'est la base si vous voulez que ça s'agrippe. Donc moi, j'ai griffé, vous savez, je prends le bord de mon buffer normalement pour les capsules américaines et ça tient très bien. Là, pour plus de sécurité, vu que c'est plus fin, j'ai pris mon petit rasoir, vous savez, pour le duvet là, d'AliExpress, et j'ai fait quelques traits à l'intérieur de la pastille, enfin de la capsule. Comme ça, ça faisait vraiment des crans pour mieux agripper. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera. Et dernière petite chose, je vais vous montrer les liners. Donc j'ai enfin reçu hier les liners que j'ai commandés sur AliExpress. Donc c'est un set de 4. Vous avez une étoile, une fleur, un cœur, une lune. Il serait temps qu'ils fassent un peu des nouveaux modèles, hein. Donc vous les recevez comme ça, sauf que vous les avez en noir et en coloré. Donc moi j'ai pris les colorés, vu que les noirs je les ai déjà. Sauf que, donc c'est la marque... EVPCT. Voilà. Je vais prendre l'étoile, on verra peut-être mieux. Non, le cœur. Allez, il est où le cœur? Attendez, je le cherche. Ça, c'est la fleur. Sauf que hier, quand j'ai fait le swatch, c'était hyper, hyper, hyper liquide. Donc là, je vais essayer de bien le secouer. Alors, il n'y a pas de microbille à l'intérieur, vu que c'est pas du liquide. Donc, vous voyez, le petit cœur, il est rouge. Mais hier, quand j'ai fait le swatch sur ma main, ouais, c'est trop liquide. Ça ressemble plus à rien. Vous voyez, ça part dans les petites ridules de main. Alors, je vous raconte pas les rides de Neuil, hein. Mais il est trop liquide. En appuyant un peu plus. Ouais, peut-être en appuyant un peu plus, mais le problème, c'est que ça fait le cercle autour. Donc, franchement, je sais pas ce que ça va donner sur les neuils. Hein. Ici, vous avez l'étoile donc qui est prune. Elle a l'air de se maintenir un peu plus. En fait, l'idéal, ça serait de le faire et de laisser à plat. Mais bon, quand vous faites sur l'œil, forcément, vous n'allez pas rester la tête en l'air, quoi. La fleur, elle est rose. Plus haut,
Voilà. Maintenant, peut-être qu'avec la base et le fond de teint, la base pour les yeux et les fards à paupières, ça tiendra mieux. Hein. Donc, pour l'instant, je ne vous dis pas que c'est du caca. C'est pas prometteur, en tout cas. Et la lune, elle est bleue. Voilà. Et à chaque fois, vous avez donc la pointe de l'autre côté basique colorée aussi, quoi, de la même couleur que le liner. Mais bon, vu ce qu'ils font déjà les petits dessins... Donc on testera ça, je pense que la semaine prochaine en vlog on fera un make-up avec ça. Je vais les laisser en bas d'ailleurs. Pour tester sur un make-up basique. Bon, une fois que c'est sec, ça tient, hein, mais c'est vraiment que ça bouge, quoi. C'est ça qui est bizarre. Regardez. Donc voilà pour ce petit vlog. Enfin petit. Je pense qu'il n'est pas si petit que ça, puisque j'étais déjà à plus d'une heure hier. Plus aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie ou pas. Enfin bon dimanche hein, pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine à venir. On se retrouve de toute façon demain en vidéo. Je vous ai déjà donné le planning. Donc demain c'est une palette à make-up. Moi je vais passer le week-end. Là je vais coudre. Et je vais passer le week-end à regarder les nouveaux épisodes de Winx. C'est chiant cette circulation là. Surtout que les travaux sont encore pires. Voilà, ce soir je fais le live, donc je vous remets la rediff en barre d'infos si jamais vous n'étiez pas là et que vous ne l'avez pas vu. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air, de répondre aux questions que je vous ai posées tout au long du vlog, mais je ne sais plus lesquelles. On se retrouve demain en vidéo et les autres jours de la semaine comme d'habitude. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.